Balandi ya Congo Live Television pona lelo toye ko kabela bino masango ya makambo izo leka na kati ya République démocratique du Congo na lebandele tolobi ambote zeno mbote anangie mbote na bino banso abokei kolanda beto na ngonga yai bozali na diaspora tolobi matondo mingi pona fidélité na bino na mukolo mwalelo na zalili susu Yusufu Kibingila David journaliste d'investigation oya Congo Live Television a même la cabine au Basango ya makambo izoleka na kati ya République démocratique du Congo weekend ya lelo samedi mukolo ya lelo information nini oyo ezali prévu topé sabino na mukolo ya lelo lelo déjà semaine ezo suka lelo semaine ezo sila résumé ya ba information nyoso oyo esalema ki semaine mobimba dilendi o lelo samedi nini esengeli bo retenir na ba information soit ya lelo et sengeli boyeba nini. Déjà kobanda tozolo bela situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo eza moko yaba information moko munene et préoccupa kabiso na Congo Live Télévision parce que nous avons toujours eu l'honneur ya koya awa pour que tope sabino makambo ya masolo oyo ezo le kanakati ya République démocratique du Congo. Tuzolo bela deja Kanyabayonga oyo etikali moko ya basite strategike oyo banguna ya M23 bazolinga bazwa ti mukolo ya lelo samedi 15 juin 2024 bazozwa makoki ya kozwa site ya Kanyabayonga te basi basali nyoso ba rebel du M23 bazomi deployer ezo simbate ba rebel du M23 bazo bakisa effectif ezo simbate ba rebel du M23 bazo benga bandeko na bango ba UPDF oyo basala kana ba ADF pour que ba ya bakuta na bango nyoso na Lubero mezo simbate tout cela pourquoi parce que 1 la population congolaise 1 les Congolais ba yoyo bazo fanda na diaspora ba yeyo bazo fanda na kati ya mboka ba sangisa ni po baloba agression rwandaise et kozwa nzela te agression ougandaise et kozwa nzela te agression oyo bazo sale la biso complot régional oyo bazo sale la ba kongomani nyoso et ko sale ma te yango yo kamaki lobby après que babeti bango sur plusieurs lignes de front ba rebel du M23 après ko beta bango régulièrement après ko beta bango sévèrement nini oyo ba rebel basalaki parce que balinga ki bazwa cité ya Kanyabayonga cela n'a pas tenu balinga ki bakanga cité wana likambo e simbaki te. Dans l'après-midi de ce vendredi, lobby vendredi 14 juin, tozong la rétro et lobby ndengenin. Des camions de M23 RADF ont été neutralisés par l'artillerie lourde de FRDC dans l'escarpement de Kabasha après Ruindi. Ces véhicules amenaient les hommes et munitions pour renforcer la première ligne des rebelles dans cette partie. Des sources sur place, bien placées, affirment la mort de plusieurs éléments RDF, c'est-à-dire de l'armée rwandaise, dont un officier de renseignement du nom de Iriho Théo. Moko, yaba chef ya renseignement ya armée rwandaise, Akufa ki lobby sur les lignes de front. Bayaka ki na ba munition et sengela ki ba renforcer ba capacité na bango oyo zali. Na Ruindi ba renforcer ba capacité na bango po ba mona boli ba ko foncer jusqu'à Kanyabayonga. Mais ba artillerie lourde oyo ya FRDC et sala ki musala oyo sengela ki ba sala. Yango yo kamaki ke basukoi ba avion de chasse ba avion de guerre oyo ya FRDC e bombarda ki pe ba position moko moko ya ba rebel du M23 en plein Ruindi. Teo Iriho akufaki
badei oyezo salema na Rwanda boko imagine te parce que ce sont des jeunes rwandais. Les jeunes qui forment oyo armée rwandaise baza ba jeunes rwandais. Oyo bazo kufa na kati ya bitumba à l'est du pays awa. Ba jeunes oyo bazo bungisa vie na bango na kati ya ba problème ba conflit oyo bango kutu ba ebité. Sur les informations à l'ikambo oyo lisalema kilobi, retenez aussi que ba détruira ki ba M23 ba bungisa ki batu na bango ebele na ba munitions na bango ebele. Kanya bayonga, des milliers de personnes ont regagné leur foyer, rassurés par la présence de FRDC. Les patrouilles de FRDC se poursuivent pour garantir la sécurité et la protection de la population locale à Kanyabayonga. Les FRDC restent constants tout en restant déterminés à libérer toutes les localités sous la main impuissante des rebelles du M23 soutenus par l'Ouganda et le Rwanda. Batumoko oyo bazaki basiba kimi Kanyabayonga. Kanyabayonga eza moko ya ba cité stratégique lokola sac. Oyo soki banguna ba traverser toki ba komi na mboka wana facilement ils vont progresser jusqu'à Beni. Alors cité wana esi komi mobulu Kanyabayonga wana. Esi komi mobulu pona banguna parce que FRDC ba rassuré. Bazo sala ba patrouille à grande envergure. Bazo sala ba patrouille pour que patrouille wana importance sa patrouille ezala wana ezali ke koza la infiltration te ya banguna na kati ya Kanyabayonga parce que d'autres cités e kwa ya kaboni banguna bakoti basali infiltration bakoti na manduki na kati ya bakanzu na kati ya bilamba na kati ya bakoti lokola bango pe baza bakimbizi ba déplacer na kokima na bango wana nde bakoti na manduki bitumba ebandi mboka ekwei. Chico, armée zo sala ba patrouille. Armée zo continue ba patrouille pour que infiltration ezala te na kati ya mboka wana. Pour que banguna ba assiéger mboka wana te. Tobo ite basi bazo ba mboka ebele. Tobo ite banguna bazo avancer te. Na mkolo wa lelo bazo avancer te. Mais nous n'allons pas aussi permettre bamboka oyo ezali ke sie comme récupérer banguna bazonga wana tokundima yango te yango bomoni lelo na mukolo wa lelo tozotia bango pression population congolaise tozotia FRDC pression pour que musala basala emona na miso ya bakongomani nyoso ko retenir peli kambo oyo ya Kanyabayonga. L'armée ezo rassuré batumoko moko babandi kozonga na kati ya mboka wana parce que il y a certains oyo bakima ki lorsque les bombes babandaki kobeta yango ya plus ya 20 bombes basiba larga na kati ya mboka wana plus ya 20 bombes na préciser ao mais les lo population bandi kozonga ils comprennent que il y a que le FRDC pour le protéger ezaka na ba FRDC pour que babikisa bango. Et puis Moussala oyo FRDC zo sala. Yango era sire population babanda kozonga. Nous avions aussi entendu que nakati ya territoire ya Masisi nakati ya mboka babenga ka Bweremana batu ebele bazalaki basi bakimi melelo bazo zonga nakati ya bamboka na bango c'est-à-dire na bakwe moko moko kimia nano ezongi en totalité te. Mais ezo zonga. Voilà donc ce que nous voulons aujourd'hui que ba FRDC ba sal. Eza moko ya biloko tozo sal. Eza moko ya bi ya elembo ya musala bazo saleke. La population ezonga na kati ya ba village respectif na bango. Ba peuple oyo bazo souffrir dans les camps de déplacés, les loba mi sentir que baza à l'aise pe bazonga na kati ba village ou kuna bisika ba bema. Ba miyo kalelo ki baza fier ya FRDC parce que FRDC zo sala musala oye ko permettre bango lobito lobikuna bazonga na kati ba village na bango.
Ndenge boyebi il y a au moins quelques jours le général Oyo ya armée Christian Tiwewe Azana kati ya région Est awa Azako toyo akomaki aye pona ba opération parce que yaza mokonzi ya ba opération au moins aye pour les opérations. Et il y a une chose que Oyo Azali chargé na ba opération à Nord Kivu na Sud Kivu. Le lieutenant général Falsi Kabwe a déclaré juste après réunion na bango. La population ezo senga nini lelo e pa ya armée. Ezo senga libération totale ya ba village nyoso wana. Libération totale ya Bunagana. Libération totale ya Rubaya. Libération totale ya Mushaki. Libération totale ya bamboka nyoso bisika ba M23 bazali ti lelo. Nde eloko e ba population bazo senga. Totanga mwa elongo ba propos oyo ya général Falsi Kabwe alobi nini. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant qu'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population qui nous soutient. La population attend beaucoup de l'armée, de notre armée, de l'armée que nous sommes. Nous en sommes conscients en tant qu'armée que la population attend beaucoup de nous. Nous en avons parlé dans cette réunion. Sous l'égide du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, et il y a une certaine capacité qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de notre population, a déclaré le lieutenant général Falsi Kabwe, Sikabwe Fal. Alors, biba yebi que population jose la ebele ko uta pa na bango. Et que bazo soit déjà à disposition moko. Mokonzi oya force armée de la République démocratique du Congo. Azomo na boni a côté la bango ba disposition ba biloko ba ki sa ba capacité mosusu. Pour que ba attente oya population et pas ya armée et la concrétiser. Ba attente oya population congolaise et ozo la bisika. Bakonzi bakomi, bakonzi bafandi, ezala concrétiser tel que la population ezoze la yango. Mokonzi Falsi Kabwe déclaré c'est bon. Mais nengo lobi ke boyebi ke population ezoze la ebele pa na bino. To accorder bino bénéfice à doute. Ba lobi population ba accorder bino bénéfice à doute. Ba zeli ba mona bilembo ya kimia. Bazeli ba mona kimia emonisana na miso. Le temps que est la République eza en proie aux exactions et ba insécurité. Tolobe la situation ya Butembo lelo samedi 15 juin 2024 eza na Butembo. Situation tendue ce matin, c'est samedi matin 15 juillet 2024 à Butembo. Suite à l'appel d'une journée sans activité, après un bilan cumulé de plus de 150 personnes qui ont perdu la vie lors des tueries de Ladeuf à Cantine et Maïkengo, mais également à Kambaou, la route Butembo-Beni a été momentanément coupée avant d'être réouverte. Mais au-delà de ça, il faut aussi noter que ba mokomoko ba jeune mokomoko ba après la mort de plus de 150 personnes par les ADF à Cantine et Kambaou, ce samedi 15 juin des jeunes se révoltent et manifestent contre cette tuerie qui devient de plus en plus récurrent. Certains jeunes d'entre eux ont décidé de marcher à pied jusqu'à Cantine, situé à environ 70 km de Butembo. Ba jeune oyo lelo ba tomboki ba lobi ke non
esengeli ba tueri esila bazo buma bango ebele bazo bungisa batuna bango ebele na kati ya Beni. Une des plus grandes questions qui se pose au jour d'aujourd'hui, qui est derrière nani aza main noire aza sima ya makambo oyo elikaka na Beni, batu nini exactement bazo perpétrer ba massacre wana ba carnage wana na kati ya Beni. Ainsi ba jeune moko ba telemi koloba ke ba lemi déjà ba système oyo ya ko buma bango. Ndenge boyebi parla du territoire de Masisi jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bitumba eza signalé te, donc Bitumba eza te. Bitumba eza te. Ça dès depuis ba beta tour moko oyo ba infligeant 65 morts et pas ya M23 na 77 blessés. Tina mokolo mwalelo na Bitumba et salimité tina mokolo mwalelo na Bitumba eza signalé te. Donc yango population zo senga soki na semaine prochaine semaine oyo to ko banda ba affrontement et banda déjà pour que to mona boni to komi débarrassé na ba rebelle du M23. Kolobela basango ya mboka lobie zalaki vendredi réunion ya ba ministre ya yambo et salema kilobi eza la toute première fois pour certains de se retrouver na réunion wana pour na ba mosusu ezali continuité ali kambo oyo babandaki kosala oyo population congolaise ezo senga lelo ke bazozela ebele na po na ba gouvernant wana bazozela ebele na batu nyoso oyo baza ba bénéficiaire ya ba poste oyo bazwaki batu nyoso oyo baza ba bénéficiaire na ba poste oyo epesa melaki epa na bango, c'est-à-dire esengeli basala musala oyo population ezozela bisika bazali. Tentative ya coup d'état, les prévenus exigent l'annulation de la procédure judiciaire. Les avocats de présumé Assaya de la tentative du coup d'état manqueux du 19 mai à Kinshasa ont plaidé à l'audience publique du vendredi 14 juin devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo pour l'annulation pure et simple de tous les procès verbaux établis lors des instructions pré-juridictionnelles. La défense a soulevé des exceptions qui remettent en cause la procédure judiciaire entamée au niveau des services de renseignement militaire jusqu'à l'auditorat général de FRDC. Tous les prévenus doivent être remis en liberté provisoire et l'instruction reprendra à zéro car elle a été biaisée, selon les avocats du prévenu. Ils demandent au tribunal la restitution de tous les biens des prévenus confisqués, tels que le téléphone et autres choses. S'agissant de certains prévenus, comme l'Américain Zilman, son mémoire se fonde sur l'article 88 de la Constitution qui dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de faits qui lui sont reprochés. Il doit être aussi entendu dans la langue qu'il comprend. Or, ses avocats estiment que l'officier de police judiciaire, OPJ, qui l'a auditionné n'a pas respecté cette procédure. Il s'est autoproclamé interprète et leur client ne comprennent rien de leur conversation. L'anglais de l'OPJ étant boiteux d'après les avocats de ces derniers. Une dizaine d'autres prévenus demandent leur liberté provisoire, rejetant en même temps la compétence du tribunal militaire de juger ces civils. La demande similaire a été formulée par le prévenu Kele Mwala, canadien, et Jean-Jacques Wondo, belge. Le premier a montré au juge les plaies de torture physique dont il avait été victime lors de sa détention au cachot de l'ex de Miap. Il veut en être soigné. Le second, compte tenu de sa notoriété d'expert militaire, arguant ses avocats, sa fuite
ne serait pas à craindre s'il bénéficiait d'une liberté provisoire afin de lui permettre d'être en contact avec son médecin traitant. Donc, Yango Likambo, Ezo Salema, dans la République démocratique du Congo, wana eza poursuite ya dossier Oyo. Et Yokelma qui dossier Oyo. Ezo continue tina mukolo walelo Oyo instruction. Yaba prévenu Oyo Bazale ba ASEA Oyo Bazra ki na katia dossier à coup d'état. Oyo Erata ki boyo kaki Christian Malanga. Yemoko a koufa ki na katia dossier wana. Donc sengela yepe, likamboba mona boni eko continue. Pendant ki mwana na ye, azali katia moko yaba prévenu. Parmi les 54 prévenus, mwana ya Christian Malanga azali nakati. Et c'est donc la fin il y a émission na biso ya lelo et zali ba information oyo tozalaki ko bomba po na bino ba téléspectateurs ya Congo Live Télévision. Bon week-end chez vous, excellente journée, mais également na ba yenyoso bazwaka intérêt à kolanda Congo Live Télévision. Tolobi matondo mingi na zalaki wa bino Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Yeyo apesa kabino makambo ya bitumba na este ya mboka. Nalobi matondo mingi na bino banso bola taki biso kumba lelo. Sika eke eto kagama na plus 243-943-46-71-93. Ase lundi de bis la semaine, pona basango na biso ya sika.